déjà, je viens de Sète. Ça fait un petit moment que je suis en contact avec Alex, déjà l'année dernière. J'ai préféré tout d'abord finir mes études avant de venir sur Aix. Et puis, il me fallait un nouveau challenge. J'avais besoin de bouger un peu, changer de coéquipier, histoire de me développer, de trouver un autre style de jeu. Il fallait que je change de vie, pour une question de progression. De toute façon, là, à l'heure actuelle, beaucoup de clubs ont l'ambition et ont les objectifs d'arriver en Coupe d'Europe. Après, c'est vrai qu'on m'a présenté l'équipe, on m'a présenté les joueurs qui arrivaient. Il y en avait la plupart avec qui j'avais déjà joué avec eux en équipe de France, à l'INSEP et même à Sète. Et c'est vrai que je me suis dit, je connais les joueurs avec qui je vais jouer. Je sais qu'on va très bien s'entendre, qu'il va y avoir une très bonne cohésion, et je ne me trompe pas. Et il y a l'ambition qui vient derrière, et je pense qu'on va faire quelque chose de très bien. Alors la pointe, ça fait... j'ai toujours joué en pointe. J'ai pas un énorme physique pour y jouer. Donc c'est assez compliqué. Il va falloir que j'essaye de répondre présent quand on aura besoin de moi. Et aussi, parallèlement, de m'économiser lors des phases de jeu. Après, je pense que c'est l'un des postes les plus durs, les plus physiques, et un poste très difficile. Alors mes ambitions personnelles, ce serait d'être reconnu déjà par cette équipe en tant que cadre, que pilier. Je vais y travailler, bien sûr. Après, en voyant un peu plus loin, c'est vrai que l'année dernière, j'ai pris une année de repos pour terminer mes études et avoir ma licence. J'aimerais revenir déjà à mon ancien niveau. Et bien sûr, continuer, pousser pour espérer un jour arriver en équipe de France senior. J'ai déjà deux amis qui font partie intégrante de cette équipe de France qui était avec moi en 93. Et c'est vrai que j'aimerais énormément, c'est un rêve de les rejoindre. Cette année, je ne sais pas, on va travailler pour. Après, je suis avec des joueurs qui ont un certain niveau et qui vont me permettre, je pense, d'atteindre au moins la porte, de venir toquer pour demander une petite place, quoi.